Ok. Ensuite. Ensuite, du coup, ça sera. Attendez. Hop. Ça sera peut-être plus simple, du coup. Étant donné que. Ah, mais non, il faut pas utiliser de. Faut pas utiliser d'attaque triangle. Je te trouve bien plus fort que ça. Quel bâtard. Je vais faire que ça. Ça va être fun. Ah! Tête de dinosaure qui m'embête. Mais non, mais tu vas où? Riku, est-ce que tu es ivre? Mais non, mais tu... Arrête, hein, Riku! Il est ivre, je crois. En ciblant, ça va pas forcément beaucoup mieux. Aïe! Aïe! Et j'ai des pets presque morts, c'est génial. Mais non! C'est bon! Ok. Bon, du coup, j'ai réussi le challenge. Calmez-vous, calmez-vous. Merci, Equinox. Ouais, j'ai débloqué un chocobloc et j'ai surtout débloqué le coffre. Parce que je pouvais pas t'arranger avec. Soin X, cool. Genre celui-là. C'est chaud quand même de faire gagner soin X à la toute fin du jeu. Eh hey, mais attendez! Pardon, j'ai crié. Bon, lui, il peut débloquer ça si ça l'amuse. Mais c'est surtout là! J'ai ouvert cette porte! Ça, je peux le faire aussi. Tarpo, il a besoin de fusion. Ok. Est-ce que... Ah, mais Cadoiseau, il carie un peu, quand même. Donc, modifier groupe, on va mettre Tarpo à la place de Karatrok. Là, ici. Non! Là, voilà. On va leur donner des trucs pas très legit. Allez, allez, mangez. Hein. Allez, mangez vos glaces. C'est bon pour la santé. Allez! Allez, c'est des macarons là! Tarpo est devenu un pyromangeur! Trop bien! Là-bas, voilà. Du coup, maintenant qu'ils ont des points, et qu'il y en a qui ont plus de portes, qui gênent. Bon, là c'est toujours la baise. Lui, c'est un peu la baise, mais lui maintenant je peux débloquer ça. Ça c'est cool, dernière force. Et ensuite, oh, après c'est loin, c'est un peu de la merde. Hein. C'est quoi, compétence défenseur. À la limite, on peut débloquer ça. Après le reste, ça m'a pas l'air ouf. Ok. Alors, crier pour lui, c'est chuchoter. Bah, j'avais l'impression d'avoir un peu crié. En tout cas, j'ai parlé plus fort que d'habitude. Lun papa, allez bouffer, c'est des macarons, mangez! Ah, il faut. Faut se faire respecter. Aïe. Aïe. Calmez-vous. Allez, brise de Nice, bam, bam, bam. Oh rien, ce qui se passe. Mais je m'amuse. Voilà. Et boum, fini. Alors là, est-ce que ça me paraît être la suite?
Ça paraît être un peu la suite. Parce qu'en fait, j'ai plein de chemins possibles, donc... Alors, remarque qu'on a des macarons. À mon père, si vous en avez pris, vous en aurez pris combien? Quoi? J'ai rien compris. Vous voyez ces vidéos, mes enfants? J'ai 4000 abonnés avec 1500 vidéos. Quoi? Quel est le rapport? Boum! Oh, reviens! Boum dans le mur! Salope! Boum, tout le monde dans les airs. Boum. Aïe. Les gens, je vous comprends plus. Non, moi non plus, je comprends pas. Non. Wouah, trop bien. J'ai piffé un truc, ça a marché. Alors, je ne parle plus qu'à l'unprend et Equinox, des êtres normaux, même s'ils sont dépourvus de bon goût. Je voulais pas te vexer, Lun, pardonne-moi. Ah, bah tu vas pas me vexer avec mon nombre d'abonnés, et encore moins avec mon nombre de vidéos. Moi, je suis fier d'avoir fait 1500 vidéos. Par contre, je m'en bats les couilles de mon nombre d'abonnés, je pense que j'ai... répéter assez longtemps. Et, assez de fois plutôt. Et puis, je pense que si j'en avais quelque chose à faire, je pense que j'aurais abandonné depuis longtemps. Ah! Il m'embête. Mais... calmez-vous. Ah, là tu fais des trucs là. Voilà. Ah, je l'ai pas vu. Toi je te chope là. Boum sur tes copains. Boum en l'air. Faut pas m'emmerder moi. Prends ça. Ok, nice. Ce monde n'a pas de sens. Attendez. Genre, je peux pas... Bah ouais, mais il y a rien, en fait. Ah, mais c'est là, en fait, pour de vrai. Ok, je pensais que c'était celui que j'avais déjà fait. Je sais pas si ça sert à quelque chose ce que je fais. Oui. Boum, allez, one shot. Ça va fierté, c'est Jean-Michel qui poste des commentaires nuls. Non. Si je t'ai connu, c'est que ta chaîne c'est trop bien. J'ai lu, c'est depuis que je t'ai connu que ta chaîne est trop bien. Ah! Mais genre. Ah, j'ai la fusion disponible avec le pingouin. C'est parti. Faire du surf. Voilà. Mais... mais... fais des bêtises.
Et arrête de descendre tout en bas, Riku, tu fais de la merde. Remonte, voilà. Non. Hop, debout. Tout le monde debout. Que la fête commence. Mais... Ah. Non, ma vraie fierté, c'est Maurice. J'ai créé la nouvelle idole des jeunes. N'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai vu, il y a... Vous savez les gosses là, comment ils s'appellent, Machin et Swan là, je sais plus ce que c'est le prénom du deuxième. De toute façon Swan ça a toujours été mon préféré, non je déconne. Du coup ouais, eux, ils vont sortir un agenda pour les gosses. Et du coup ça serait trop bien un agenda avec Maurice dessus, vous pensez pas? Moi je pense que ça serait un peu génial. Limite peut-être trop avant-gardiste, les gens seraient pas prêts. Mais non, mais qu'est-ce que je fais? C'est qui Maurice? Tu ne connais pas Maurice? Tu ne connais pas Maurice? C'est là qu'on reconnaît les vrais... Les vrais viewers. Ceux qui sont là, tu vois. Et les autres. attends, deux secondes. Maurice, c'est un personnage que j'ai créé. Un personnage tellement moche qu'il en est beau. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu une icône, j'ai envie de te dire. Et je comprends plus. Attendez, c'est quoi ce bout là-bas là? Ah non, ok, en fait, ouais, c'est la zone qui a tout changé. Et donc, c'est un perso qui est apparu dans Fallout, Dark Souls 3, Bloodborne. Et dans les caches, c'était le nom des vaisseaux du coup. Dès que je dois donner un nom, du coup je mets Maurice. Donc t'as pas d'excuse en disant que t'es arrivé à KH2. Argument non valide. Bam bam bam. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah oui non! On va être en mode... Il y a le passage. C'est vrai que j'avais oublié cette histoire. Alors attendez. Putain, il y a plein de coffres comme par hasard. Non, l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu branles? Sac à merde. Voilà. Lancer étincelle. Bon, attends, ici de toute façon. Regarde. Sauf que du coup, je sais pas si je peux continuer avec Sora parce qu'il y avait eu le passage automatiquement. Que du coup. Ah, c'est bon en fait. Wait, Your Majesty, Donald, Goofy. Ah, j'ai lancé une tenue. C'est la tenue de KH2, ça. Namine. Is that you? Wait, Namine. Il y a un time watch, c'est-à-dire. I meant to tell you once this was all over. Shion. Who are you? Vous voyez la satisfaction sur mon visage. Je suis super content. Why am I? Hey, wait. Il est content, oui. J'adore Shion. C'est con, hein, mais j'adore Shion. Et je pense pas d'aider.
Oui, bah du coup, on connaît ça. Quand je regardais ton let's play sur Borderlands 2, je voulais tout regarder avant le 21 décembre parce que je croyais à la fin du monde. Ah merde. C'est triste. Acheter. Mais pourquoi je veux acheter à chaque fois? Ça sert à rien. La fin du jeu, j'ai plus rien à acheter. Non. Ok. Zbré. Par contre, j'ai étincelle plus, mais j'aurais jamais eu étincelle plus X. Wow. Ils sont bizarres les chaînes. C'est beaucoup moins visible qu'avec Riku. Spray. Quand même, un gosse, son objectif avant de mourir, c'est une heure sans let's play de Borderlands 2. J'avoue. Je sais pas où je dois aller, donc je monte. Ah, par là. Est-ce que ça marche? Oui! C'est passé. Pas à moitié, hein, genre. C'est bien de mettre esprit rugissant par-dessus ma vie, comme ça je sais pas du tout où j'en suis. Hop, c'est bon. Assaut! Je sais pas quoi! Mode étoile filante, bam bam bam, on va sur tous les ennemis. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais remonte, mais... Abruti! Je ne peux pas contrôler. Pire fusion du monde. C'est de la grosse dub. J'ai jamais vu un truc aussi mal branlé. Bon, calmez-vous. Non. Mais... Sous de ma gueule. Ah, j'ai mal. J'ai plus mal. Mais... Pépé. Voilà. Voilà. C'était poussif, hein. Ça pour un coffre nul, pareil. T'es vraiment creepy, Dromo, quand tu parles de moi. Tu me fais limite un peu peur. Ok, nice. Bientôt, il y aura le hashtag balance ton viewer. Mais... Alors, j'ai pas envie d'aller dans ce truc. Oula, il y a des trucs un peu bizarres. Oh bah, je peux directement lui faire ça, bah ça me va. Merde. Oula, ça va faire des dégâts. Ça. Non mais, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que ça passe? Oui.
Bra bra bra. C'est bon. Allez. Roule, boule, roule, boule. Ok. Est-ce que ça passe? Ouh. Alors, j'ai pu lancer l'attaque, mais elle a fait zéro dommage parce que... Elle a fait zéro dommage parce que j'avais pas la portée. J'étais trop loin. Oh! Ça monte. Ça descend. Ça monte. C'est un manège. En vrai, ça sert à quoi de monter? À part me propulser comme un vulgaire insecte. Ah mais du coup ça veut dire que je peux bouger les bâtiments là en m'appuyant sur le côté bleu. Un dragonnet. Oh, pas un dragon. Mais non. Ah bah d'accord. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Waouh waouh waouh. Waouh waouh waouh. Yépio yépio. Et donc là c'est le moment où... Ah ça peut m'aider. Est-ce que ça passe? Non, pas du tout. Non, faut que je fuis, 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 faut que je fuis. C'est bon, ça passe. Non, l'estau foudroyant qui n'est pas passé. Aidez-moi! Je vous en prie, c'est la merde. Ça, ça me heal. Ça, je tente, on sait jamais. Ça passe. Ok. Ça, c'est bon. C'est pas par là que je visais. Super, j'ai rien touché. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il est ivre? Non. C'est lui. J'arriverai jamais à le finir hein, ce dinosaure. C'est dingue. Voilà. Toi tu crèves, dégage. Tu me saoules. Mais lol. Voilà. Du coup, normalement, si on s'appuie sur le côté bleu, là, ça peut faire des trucs. Non, pas du tout, ok. Je comprends rien, du coup. Je dois aller là-haut. Wouhou! Wouhou! C'est génial! Ah, et là, il y aura un boss. Même pas. Faut aller par là. Je suppose. Wouah! Ah non. Dommage. Est-ce que ça passe? Oui! Ça touche bien. Il est où? Il est là. Putain, on le mange. Quand faudrait pas aller trop par là parce qu'il y aura d'autres monstres après. Je vais oublier mon coffre. Voilà. Calme-toi, Karatroc. Allez, on avance, on avance.
par là. Wow, 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 c'est quoi ça? Oh oui. Oh, c'est beau, là. Joli combo. Je fuis. Non. Alors, attendez, on va faire un truc. Bon, là, il n'y a pas de dénivelé. Donc ça, je peux le faire. C'est bon. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Ah! Ok, nice. Ça se passe bien, il reste un ennemi de type volant. Non, reviens! Voilà, parfait. Ben, on est content. Alors, j'attends que mes cooldowns reviennent. Et je me soigne, tu vois, tant qu'à faire. Ça doit être pas mal là, non? Je regarde vite fait ce que vous dites. Nice. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok. Niveau, et là ce sera quoi? Brise-glace, et là, lancer circulaire. Le truc c'est que brise-glace, je crois que je peux l'avoir avec un autre perso. Genre. Pas lui. Putain, j'ai pas les pistolets! Chien. Brise-glace, c'est avec le pingouin, je crois. Pingouin Karikou. Donc, c'est plus intéressant d'avoir Scarino. Du coup, comme c'est un peu la fin du jeu, je préfère faire ça. Je vais vérifier. Ah non, c'est Cleave Glass lui. L'autre c'était Brise Glass. Mais de toute façon, c'est beaucoup trop loin. Autant focus. Autant focus au même endroit. Hein. Ok. Tiens, il est blessé. Je vais attendre que mon soin revienne. Je vais pas le soigner, mais bon, même si en vrai, là, je peux y aller. Come on, wait up. Who are you? Roxas. You're... Roxas? How can you be here? Am I dreaming? Come on, say something. This could have been the other way around. Huh? But it really has to be you. What do you mean? There are so many hearts that are connected to yours. You're me, so you can feel what I felt. No. Roxas, you're you. We're not the same. I wanted to tell you that. That you deserve as much as I do to be your own person. Sora, see? That's why it has to be you. Il va exploser. Ah, il est redevenu rouge.
Not again. Did they cause all this pain? What do you want me to see? So, don't chase the dreams. Just to an abyss you'll never be able to wake up from. J'ai pas reconnu la voix du coup. Ok. Ce jeu est beaucoup trop mystérieux. On ne comprend pas tout, les tenants et aboutissants. Voilà, les problèmes au niveau de l'architecture de l'endroit. Mais le pet qui me pop sur la gueule et du coup je tombe à moitié. Waouh. Ok. Encore? Allez. Non? Ok. Eh oh, rien. Y'a rien ici? Non. Ouah, des buildings. Pas de monstres. C'est étonnant. Allez, monte à ce connard de building. Mais non, je peux pas aller plus haut. Quelle est cette sorcellerie? Je comprends rien. Ah bah non, il faut faire. Voilà. C'est prêt. Nous on pète des buildings. Ok. Ouais. Mais je mets la garde et ça marche pas. Aïe. Non, je suis... Ah voilà. J'étais dans les pommes. Est-ce que ça passe? Je touche des trucs, c'est déjà un bon début. Ok, et là on va faire un truc de fou. On va devenir pingouin. Enfin, on va attaquer avec le pingouin. Ok. C'est bon. Quoi? Ça n'a pas de sens. J'ai lancé ma boule de feu et elle a juste des pop. C'est de la triche un peu. Merde. L'architecture de ce monde, en même temps je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Ah
Est-ce que ça passe? Oui. Tout le monde est mort. Ok, tout le monde est mort, ça. C'est bien de me faire des attaques qui stun en boucle. Mais... MDR quoi. Mec, il est en mode LOL, je vais te poursuivre jusqu'à la fin de tes jours. Ah. Voilà. Ça devient plus compliqué hein, quand même, hein. On commence à le voir. Cette vision est disponible après littéralement une seconde de CD. Le pingouin? Si c'est le cas, c'est cool parce que je suis invincible pendant ce temps-là. Parce que là, le pingouin, il fait la gueule. Attends. Hop.